Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est Anna pour une nouvelle partie d'Animal Crossing. Je vous dis bonjour parce que moi c'est le soir, mais parce que vous l'aurez dans la journée, voilà. Donc dans la dernière partie, je voulais vous parler d'une comète. En fait, c'est pas du tout long à expliquer, mais je voulais le faire dans la nouvelle partie. Je voulais juste dire que ça aboie chez moi, je voulais juste dire que dans l'espace, ils avaient envoyé une... Je sais pas vraiment quoi, mais genre, j'ai pas vraiment vu ce que c'était. Ben, ils ont envoyé un truc dans l'espace qui s'appelle Rosetta, et je pense que ça vient de Mario. Enfin, je suis pas sûre, hein, mais genre Rosetta, c'est le nom japonais de Rosalina, Harmony. Et donc, je voulais chercher s'il y avait Folé. Et... Donc comme j'étais pas sûre, enfin j'étais n'importe quoi, et comme le nom espagnol déjà de Rosalina c'est Estela, ce qui ressemble à Estrella, ce qui veut dire étoile, enfin bref. Voilà, j'ai failli écraser mon cocotier, et donc je me demandais si c'était fait exprès, si vous le savez, dites-le moi, même si je doute que vous savez une information pareille. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je disais. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais le redire encore une dernière fois, même si je l'avais déjà dit une dernière fois, parce qu'on continue à me demander mon Konami et que ça m'énerve. Bon, moi ça me fait des commentaires après tout, hein, mais franchement... Arrêtez de faire ça. Il y a quelqu'un qui a dit si quelqu'un aurait son Konami, ben on va te le donner mon Konami, tiens regarde-le mon Konami, ça te fait plaisir, mais ouais voilà. Regarde-le mon Konami, ça te fait plaisir, mais ça sert à rien parce que je t'ajouterai pas. Et en plus ça sert à rien parce qu'il n'y a plus la connexion Wi-Fi Nintendo. Elle est sur la Wii U maintenant, donc voilà. La fille elle a 1 million de clochettes. Enfin bref, voilà. D'ailleurs on m'avait expliqué pourquoi il y avait des cœurs remplis et tout, mais je sais plus pourquoi. Et voilà, je crois qu'on me l'avait déjà dit, donc si vous le savez, vous avez qu'à le redire. Donc voilà, vu qu'on n'a pas trouvé Folé, aussi dites-le dans cette partie ou dans la dernière partie. Comment on fait pour le trouver, ou si jamais c'est trop tard pour le trouver. Je suis triste. Oh attention, c'est un scarabée qui vient de tomber dans l'eau, c'était un serpent, je crois. Il marchait doucement dans l'eau, c'était bizarre. Et avant d'aller au centre-ville, on va identifier le fossile. Mais voilà, il y avait un espèce de scorpion. Tiens, ça me rappelle qu'il n'y a pas longtemps dans Animal Crossing, j'étais tranquillement sur 3DS, j'étais tranquillement en train de marcher, je sais plus pour faire quoi, pour parler à quelqu'un je crois. J'étais tranquillement en train de marcher et puis j'ai vu une araignée, une grosse araignée là, des migales je crois. Oui, les migales. Ça s'appelle pas comme ça dans Animal Crossing je crois. Et moi je voulais l'attraper tranquillement et elle m'a piqué. D'ailleurs la première fois que j'ai joué sur 3DS, je me rappelle, il était 19h, c'était la musique un peu bizarre que j'aime pas. Et du coup il y a une araignée qui m'a piqué le jour où j'ai commencé. Du coup maintenant cette musique je l'aime toujours pas. Je trouve qu'elle fait un peu peur, enfin pas peur, mais elle est pas jolie. Par contre c'est celle de 19h celle-là. Par contre celle de 20h et celle de 18h je l'aime bien. Voilà. C'était l'anecdote du jour sur les musiques. Sur la musique d'Animal Crossing New Leaf. Voilà. Maintenant on va aller au centre-ville. Parce que je voudrais voir si Monsieur Rosetti est ouvert. Même si je pense pas qu'il sera ouvert. Mais j'aimerais bien avoir un appel d'argent. Parce que si j'ai un appel d'argent, ça veut dire que j'aurai une chance d'avoir cette mini-clochette si je suis douée et que je suis bonne en motor machine. Et si j'ai cette mini-clochette, ça fait quand même plus de enfin, ça fait plus de mini-clochette que d'habitude. T'avais un peu rien à dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Et vous m'avez comprise. Et donc voilà, du coup c'est plus pratique pour avoir ben, plein de trucs, genre les meubles bonbons, tu vas préférer les dons pour la ville, avoir beaucoup d'argent sur ton compte, tout c'est tout ça. Ma petite écrevisse, oui c'est reste un mot, je n'ai
crois pas, mais je t'ai rien dit, monsieur. Je ne t'ai rien dit, en fait, donc je doute que tu saches quelque chose. Surtout qu'on peut pas se marier dans le Animal Crossing, même s'il y a plein de gens qui disent « Ah, on peut le faire, alors d'abord, il faut que vous preniez une photo, que vous achetez un cadre cet homme, que vous l'enterrez sous des cocotiers, blablabla. » Non, non. Non, arrêtez, c'est bon, c'est pas la peine. On peut entrer, mais enfin, franchement, faire une microsing le livre, il y a plein de gens qui disaient que c'était la galère, mais c'est beaucoup plus simple. Franchement, je suis entrée 3 fois, je crois déjà. Alors que là, franchement, j'allais voir s'il y a une expression de sensei. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous connaissez, moi je vous avais déjà dit celle que j'avais, je l'avais un peu en tête, il y a candeur. Oh, à chaque fois, je crois qu'il va me demander quel biais je veux. Il y a candeur, exaspération et je sais pas quoi. Choc, colère, surprise, tourment. Donc, si vous savez, si vous les connaissez vraiment, les vrais noms qui disent et tout, ben vous pouvez me le dire, ce serait sympa. Comme ça, je pourrais vous montrer Sensei. J'ai déjà vu une photo de lui au début, j'y croyais pas trop. Et puis après, j'ai lu qu'on pouvait le voir, donc j'étais assez contente. Et si vous avez une astuce pour aller chez Rodotti, même si je crois pas que c'est possible d'avoir une astuce, oui, je voulais. Ouais, on peut vraiment pas prendre ça. Ouais, c'est pour essayer de l'acheter dans la fontaine, pour avoir la hache d'argent, enfin bref. C'est une longue histoire. La hache d'or en plus, je trouve n'importe quoi, mais voilà. Parce que la souris là qui est sur. La fontaine, c'est une. Mais en fait, j'ai pas mal de choses quoi. C'est une déesse. Enfin bref. Pas une déesse la console. Une déesse genre. Les déesses romaines, Athéna, tout ça. Enfin, c'est pas une déesse romaine là, c'est une déesse Animal Crossing. Enfin bref. Si je veux avoir un pièce déjà, il faut que je pose 897, je crois. Ouais, c'est ça. 897. Non, bah non, 887. Ok, donc 8887. Ok. Et là, j'ai combien? Non, mais en fait, j'avais dit que je déposais tout mon argent à la fin des parties, donc ça ne m'a rien de faire ça. Fail, merci monsieur. Je vais bien aller chez Ronard, donc c'est là que je vais me rendre compte que Ronard est encore ouvert. Je vais dire pourquoi j'ai déposé de l'argent. Je vais aller retirer de l'argent, mais je crois qu'on a fermé. Merci. Oui, je vais aller prendre de l'argent. Je vais prendre 4000, ça sera plus simple. Retirez, s'il vous plaît, monsieur. Je voudrais 4000 clochettes parce que je vais acheter une œuvre d'art en prenant le risque et les fausses pour la donner à un musée qui ne peut pas s'acheter des œuvres parce que je sais pas quelle est leur histoire encore. Et voilà. Il m'a fait flipper le bruit de la porte. Mais c'était mon hymne ça. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça ressemblait beaucoup. Non, c'était une toile parfaite, mais je crois que je l'ai déjà en fait. Donc, je l'ai acheté, mais je crois que j'ai déjà un sofa robot et un truc plante ça qui va me rendre. Et tu sais qu'est-ce que je vais en faire de ton invitation? Je vais la vendre parce que ça ne sert à rien. Je vais pas te faire de la pub. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu de photo dans cette Animal Crossing. Je suis triste. Moi qui sur la 3D, si je la photo de Rodali en 4 fois, 5 fois même, je suis triste. J'ai pas eu de photo d'habitude. J'ai souvent des photos des gens parce que en fait. Moi, sur Edward, quand j'avais refait ma partie, je m'étais dit que avant que les habitants déménagent, je voulais au moins avoir leurs photos. D'ailleurs, j'ai réussi, puis après j'en ai eu marre, alors du coup j'ai été laissée déménager. C'est un mal possible le livre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné leurs photos pour ceux qui n'ont pas déménagé, et ceux qui ont déménagé, ils me l'ont donné dans une lettre. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre. Votre comportement d'habitant, on va dire préféré. Moi personnellement, c'est celui de Rina et de Kat qui
sais que sur internet ils appellent ça le comportement de grande sœur. Moi j'aime bien, et sinon j'aime bien celui de Rosalie et Suzy, c'est les gens qui disent tout le temps MDR là, elles sont drôles, je trouve. Voilà, c'est mon comportement, c'est mes comportements préférés. Donc je vais m'amuser pour voir si monsieur a déjà ma toile parfaite, mais je crois que oui. Je crois que je me suis fait avoir un petit peu. En plus, il va me dire que c'est une contrefaçon, du coup, je vais me faire doublement avoir. Non, je sais pas en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que je crois pas que quand t'es. Je crois même que quand t'es pas de la ville, voilà, tu peux faire un don au musée, mais. Pourtant, sur un site, j'avais lu que. On pouvait. S'il y avait plusieurs personnes. Ok, j'avais lu que s'il y avait plusieurs donateurs, le cadeau, je vais pas spoiler le tout. Si vous voulez le savoir, moi je vous le dirai, mais le cadeau qu'on reçoit quand on termine le musée, eh bien. J'ai du mal. Hein. Il revenait à la personne qui a le plus. Ah ben non, je suis bête. C'est ok. Non, je viens de comprendre qu'en fait c'était les différentes personnes de la ville. Oh, c'est Elisabeth, mais. Non, elle est servie à 22h. Elle. Pourquoi elle m'a dit ça? Je vais parler. Je vais me boiter pour prendre un café de toute manière. Hé, ce tiers est pris. Les gens nous regardent. Ben, il n'y a plus rien. La mairie est ouverte 21h24 et il y a des habitants que je vois trop souvent. J'ai passé ma vie à travailler. La caféine est mon seul réconfort. La mairie promet depuis des années en assistant une machine à trier le courrier pour m'aider. Mais j'en ai jamais vu la couleur. Et on se demande pourquoi j'en râle tout le temps. Apparemment elle a un secret que sa sœur ne connaîtrait pas, la belle-mère. Moi je me rappelle que sur Animal Crossing Wheelboard elle me disait mais surtout, enlève ses chaussures. Mais oui, j'avais des baskets rouges, ignobles, mais je peux pas les enlever, donc je peux même pas changer. Ouais, mais il y en a qui disaient aussi que, genre, Cousette et Robusto, ils devenaient plus ouverts avec le temps. Ça, c'est vrai, mais ils disaient aussi qu'Elisabeth devenait plus gentille. Personnellement, j'ai jamais vu qu'elle était gentille. Hein. Je sais pas ce que vous racontez. Alors. Donc tout ça c'est à vendre. Donc pour la lampe, hein, n'hésitez pas à me dire des conseils parce que je comprends pas moi. Au moins aujourd'hui j'ai résolu l'affaire. La musique bizarre de chez Top Nook. Maintenant vous aussi vous le savez, c'est cool. Si vous avez pris un truc, c'est cool. Si vous le saviez alors vous ne l'avez pas dit, c'est pas gentil, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Allez, service à 22h. Pourquoi je regarde la poubelle alors que j'ai déjà regardé aujourd'hui? Je sais pas. On va poser 80 clochettes sur le compte. Faire un dépôt. Parce que moi je suis cool alors je vais juste mettre 37 clochettes. Parce que je veux un nombre pile et c'est cool. Ok, encore 35 000 clochettes. Et je pourrais peut-être m'acheter un petit garage. Je crois qu'il y en avait d'autres qui coûtaient moins de 100 000, donc ça peut être cool. Attention, il y a un truc rare. Faut toujours que j'ai mon filet sur moi, je le range, mais faut que j'ai toujours l'été parce qu'il y a toujours des insectes rares dehors. Et moi j'aime bien, c'est bizarre vraiment, cette maison elle est très bizarre. Notre maison elle est vraiment bizarre. On a deux cheminées d'ailleurs. Je vais vous demander beaucoup de trucs, il y avait un boutique dehors. Je vais vous demander beaucoup de trucs dans cette partie, mais si vous avez aussi comment j'ai fait pour avoir le filet d'eau argentée. Parce que en fait je sais pas, il était en vente du Top Nook, mais je sais pas si c'est parce que j'ai rempli beaucoup de collections d'insectes. J'aimerais bien avoir la canne à pêche, la pelle, je sais pas comment on fait. La hache, je crois que c'est la déesse. Je sais plus de quoi je parlais. Je sais plus en fait.
voilà, l'arrosoir argenté, je ne sais pas s'il existe, vous savez. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pelle, filet et canne à pêche, hache et arrosoir. La hache, je crois que c'est aussi la déesse qui nous la donne. Je crois que c'est tout, hein. Lance-pierre argenté, je ne sais pas s'il existe. Bon, je vais regarder, je vais en parler. Ouais, j'ai l'air d'avoir plus d'insectes que de poissons, donc c'est peut-être ça. Enfin bref, je voulais regarder autre chose aussi. Carte, ok. Je voulais voir si elle était encore valable ou je sais pas quoi. Voilà, donc... Non, attendez, c'est pas bien rangé. Mon inventaire est bien rangé, comme ça demain, je pourrais juste aller chez Domino qui a vendu tout ça. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. Et à bientôt tout le monde pour une nouvelle partie de Dans l'esprit. Sur cette magnifique image de moi qui suis en train de... rester chez moi. À écouter une musique. Non, on va pas se laisser là, on va se laisser sur une image plus cool encore, sur l'image de la pièce Mario. Avec une musique trop cool. En vrai. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Je vais allumer les bougies de mon anniversaire. Pour les enlever parce qu'elles font pas du tout de lumière. Voilà. J'ai pas encore l'étoile de Mario, c'est triste, elle fait une musique trop cool. Enfin bref, il faut que j'arrête de parler alors que je dis que je vais arrêter la partie. Donc à bientôt tout le monde. J'espère que cette partie vous aura plu et à bientôt.